Eh bien, salut à tous. C'est Valentin. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sim World. Et aujourd'hui, c'est la roadmap du mois de novembre que je vous présente sur Sim World. La roadmap du mois de novembre va vous annoncer plein de belles news. On va en parler notamment de cette fameuse ligne MBTA Commuter, cette fameuse ligne américaine qui arrive, qui est sortie. La ligne boston Worcester framingham On parlera également de l'extension gameplay, du gameplay de Train Sim World 5, les packs d'extension. On parlera également euh, des révélations de Dovetail Games 2024. Nouvelles célébrations mensuelles en décembre avec des annonces passionnantes et des mises à jour de projets chaque jour de la semaine, se terminant le 20 avec une surprise spéciale pour clôturer l'année 2024. Les différentes mises à jour des partenaires tiers, des correctifs et des mises à jour. Et puis le coin communautaire parlera du Trinsame World Tycoon sur Roblox. La feuille de route de Trinsame World est arrivée pour le mois de novembre et partageons des informations sur les progrès en matière de nouveaux contenus, des mises à jour et d'annonces futures de développement des équipes et des gammes des partenaires tiers. Cette feuille de route et votre point de contrôle mensuel avec nos équipes de développement est un aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre alors que nous continuons à avancer depuis le lancement et vers la nouvelle année. Lisez la suite pour connaître nos actualités et celles de nos partenaires. On va en parler. Dans cette édition, nous célébrons le lancement de la ligne américaine MBTA Commuter sortie lundi le 11, si je ne me trompe pas, ou alors c'était le mardi. Mardi le 12, je ne sais plus. En tout cas, elle est sortie cette fameuse ligne américaine et ils vont nous en parler. Alors, cette ligne MBTA Commuter Boston Framingham Worcester. C'est le premier module complémentaire de Train Simulator 5 à arriver. Il était temps. Elle a été repoussée cette cette fameuse ligne américaine, elle a été repoussée parce qu'il y a eu des bugs. Et du coup, ils ont préféré repousser plutôt que de sortir le DLC qui n'était pas fonctionnel. Du coup, ils ont repoussé ce DLC et c'est enfin le premier DLC sur Tracing World 5. Parce que pour l'instant, on n'avait pas de DLC sur Tracing World 5. On a les DLC, les anciens DLC des anciens opus qui sont disponibles et qui fonctionnent avec Tracing World 5, mais on n'avait pas de nouveau DLC sur Tracing World 5 pour l'instant. Et voici donc ce premier module complémentaire sur Tracing World 5 avec une aventure sur la côte est des États-Unis et dans la ville culturellement riche de Boston. Préparez-vous à passer au violet avec les locomotives diesel MBTA HSP 46 et MBTA F40 PH 3C, y compris les voitures à deux niveaux BTC et CTC. Ils nous disent que si on souhaite découvrir le gameplay de cet itinéraire à venir, il ne faut pas oublier de regarder leur vidéo où ils en parlaient, justement, ou alors ici l'aperçu, le first look que je vais vous montrer maintenant. first look qui est très intéressant. Plus tôt dans la journée, nous avons partagé notre article sur le lancement du MBTA Commuter qui, euh, a donné un aperçu, qui nous a donné un aperçu de ce que nous pouvons attendre dans cette dernière version américaine et si on souhaite plonger la tête la première dans tous les détails, les couches, les services et avoir un aperçu complet de l'histoire et du fonctionnement des systèmes de signalisation trouvés sur la ligne ils nous disent de ne pas oublier de lire l'article sur la MBTA Commuter Deep Dive. Alors ici, on peut voir la photo euh, de l'itinéraire de transport euh, sur la MBTA. Boston, Framingham, Worcester. Donc on peut voir. On part de Worcester. Grafton. Westborough. Southborough. Ashland et après on va direction Boston. Et du coup, on va à West Natick, Natick Centre, Wellesley Square, Wellesley Hills, Wellesley Farms, Auburndale, West Newton, euh, Newtonville, Boston Landing. Landown, Boston Back Bay et Boston South. Voilà. 44 miles de Boston South Station à Worcester. 18 stations, qui incluent également Landown pour Fenway Park. Et euh, local outlet service to Framingham and Worcester. Voilà. Euh, je pense que c'est du... Local LED Services to Framingham and Worcester. Je pense que c'est... Euh, certainement pour le route topping. Module complémentaire de gameplay de Tracer World 5 bientôt disponible. En décembre, nous publions de tout nouveaux complément nouveau modules complémentaires de gameplay qui visent à apporter plus de contenu pour les itinéraires inclus. Dans Tracy World 5, notamment West Coast Mainline South, Frankfurt Fulda et San Bernardino Line. Ces packs de gameplay ne seront disponibles que pour les joueurs sur les plateformes PC et les consoles de 9ème génération. Donc ils nous sortiront un peu plus de gameplay dessus. Sur ces fameuses lignes qu'on a inclus de base dans Tracy World 5. Dans Standard Edition ou dans le Deluxe ou Special Edition, vous les avez cette ligne West Coast Mainline, Frankfurt Fulda et San Deal Online. et nous disent qu'ils vont nous sortir des nouveaux modules complémentaires qui seront. qui apporteront du contenu supplémentaire sur ces fameuses lignes. Nos équipes ont également travaillé sur d'autres améliorations pour prendre en charge ces fameux itinéraires, en plus de ces packs de gameplay pour toutes les plateformes, afin d'améliorer l'expérience et de répondre aux commentaires de la communauté. Ils nous parlent qu'il y aura des améliorations importantes pour l'itinéraire West Coast Mainline, dont ils, ont, dont, ils en parlera, dont ils parleront un peu plus en détail dans un prochain article. Donc je vous invite à rester connecté sur la chaîne on en parlera. Ils nous disent qu'on doit s'attendre à plus de détails sur les contenus de ces packs début décembre, avec un nouvel événement à venir qu'ils sont ravis d'annoncer aujourd'hui. C'est la saison des révélations de Dovetail Games 2024. À l'approche des fêtes de fin d'année, ils nous préparent un véritable régal qui remplira tous les mois d'excitation et de spéculation. Euh, qui remplira tout le mois, pardon, de décembre d'excitation et de spéculation. Ils appellent ça la saison des révélations 2024. C'est un événement qui rassemblera toutes les révélations de nouveaux modèles complémentaires de tracy World, des informations complémentaires supplémentaires sur les projets annoncés et des mises à jour d'un large éventail des équipes de développement tiers. Cet événement se concentrera principalement dans Traceable World mais inclura également nos, nos fameux titres Traceable VR avec des détails de développement futur sur le City Transport Simulator Tram et plus encore. Donc, ils nous parleront aussi d'autres jeux Tracim World VR qui font et City Transport Simulator Tram où ils sont également euh, euh, je sais pas s'ils sont éditeurs non je crois que c'est des éditeurs Ouais. voilà donc euh, on peut s'attendre à cette saison des révélations de Dovet Game, Dovetail Games 2024 dès le 2 septembre dès le 2 décembre pardon pas septembre, décembre, dès le 2 décembre 2024 et il y aura chaque jour à 14h des publications avec une nouvelle vidéo de mise à jour dans un style similaire à nos révélations Take Etiquette dans notre récent Dovetail Direct. Take Etiquette, ils nous avaient donné le Take Etiquette, c'était le fameux, euh, fameux euh, chapitre Take Etiquette dans le Dovetail Direct qu'ils nous avaient fait lorsqu'ils avaient annoncé Tracee World 5. Euh, ce Take Etiquette, ça nous annonçait les différents DLC qu'ils allaient sortir pour Tracee World 5. Et là, ils souhaitent de nouveau refaire un Ticket Ticket pour euh, annoncer tout ce qu'il y aura pour 2025. En nouveau, T, et puis aussi pour tracé World VR et City Transport Tram. Voilà. Ils nous disent que tout ça se terminera donc le 20 décembre avec une surprise spéciale qu'ils attendent de nous annoncer dans les prochains temps. Nous annonçons dans les prochains temps une belle surprise le 20 décembre, ça serait beau. Un, un DLC gratuit <laughs> et ils nous disent qu'on peut également euh, s'attendre à des cadeaux hebdomadaires pour les clés de destruction Trace et Mort 5 tout au long du mois. Cela devrait être une période vraiment passionnante. Alors que nous terminons l'année et que nous embarquons tout le monde pour une nouvelle année fantastique à venir, ils nous disent qu'il faut faire attention parce qu'il n'y aura pas de roadmap. Pour décembre euh, on se ils nous disent qu'on se retrouvera pour une nouvelle roadmap l'année prochaine donc en janvier en janvier 2025 ce sera la l'autre roadmap il n'y aura pas de roadmap au mois de décembre donc ne vous attendez pas à ce que je sorte une roadmap au mois de décembre il n'y aura pas il n'y en aura pas et il nous parle euh, de nouvelles annonces notamment la Mittenwald Bahn, un tout nouvel itinéraire de TSG. TSG qui est un partenaire de Dr. De Games. Ils nous disent que faut qu se prépare à retourner en Autriche à découvrir le col de Mittenwald. Sur le nouvel itinéraire à venir, Mittenwald-Ban, Innsbruck, Garmisch-Partenkirchen. Belle photo ici. Avec les, les Alpes, magnifique. Cette aventure montagneuse transfrontalière vous laissera certainement sans voix. Et l'équipe TSG a voulu renforcer l'excitation avec un court teaser de la ligne. On le regarde tout de suite. C'était très joli ce petit teaser. Et pour un dernier spoiler, avec Mittenwaldbahn, vous ajouterez la nouvelle locomotive OBB 1020 Crocodile à vos collections, remontant ainsi le temps jusqu'en 1989. Le OBB 1020 Crocodile, on n'a pas de photo ici, mais on peut déjà voir à quoi il ressemble en recherchant sur Google. Et on peut voir que c'est cette belle locomotive-là. Qui va être disponible pour Sim World 5. Et ça, c'est top. On n'avait pas encore les fameuses loco lo locomotives dites Crocodile. Et on va la voir. Alors, est-ce qu'on va la voir en vert Ou est-ce qu'on va la voir en rouge On verra bien. En tout cas, ça a l'air pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. On peut voir des belles... la belle gare de Middenfall. Mittenwald ici. Voilà nos lèvres sont désormais scellées. Nous pouvons supposer que beaucoup d'entre vous sont extrêmement impatients d'en savoir plus, comme nous. Moi, je suis très impatient d'en savoir plus sur cette fameuse ligne. Alors tenez-vous bien, car notre événement saison des révélations de décembre sera l'occasion pour nous de vous donner plus d'informations sur le gameplay auquel vous pouvez vous attendre et de révéler tous les nouveaux détails. Donc il faut s'attendre au mois de décembre à avoir de belles révélations pour tracer le 5. L Annonce du lourd. Belle photo ici, en plus on voit la brume ici. C'est vraiment top. On en parle de cette fameuse ligne principale de la côte ouest, Preston Carlisle, créée par Just Trains. Si vous n'avez pas entendu parler de la ligne Just Rains imminente, vous êtes peut-être coincé dans le passé. Mais encore une fois, cette ligne nostalgique des années 80 pourrait bien vous faire cela. La West Coast Main Line Preston Carlisle comportera le cœur électrifié de la West Coast Main Line de Preston à Carlisle avec la nouvelle classe 870 et offrira des services D.M.U. avec une classe 101 mise à jour à travers la branche Morecambe Promenade jusqu'au bord de mer. Alors la classe 870. C'est celle-ci. Et la classe 1. C'est celle-ci. Pour commencer avec cette section, après avoir examiné où nous en sommes avec les builds, nous avons pris la décision difficile de retarder le fameux module complémentaire de Just Trains Preston Carlisle au mardi 26 novembre. Donc il sortira fin novembre. Cela permet à Just Trains et à nos équipes internes d'assurance qualité d'examiner certains problèmes finaux et de peaufiner l'itinéraire. Le stream d'aperçu du jeudi aura toujours lieu comme auparavant. Donc le ce jeudi ils ont euh, le jeudi 14, ils ont sorti une vid une vidéo parlant de cet itinéraire Preston Carlisle. Ils nous disent qu'ils ont partagé une multitude d'informations sur la ligne à partir des articles récents avec plus d'informations sur les fameux développements de cette ligne sur le blog de Just Trains. Et aujourd'hui il partage des détails sur les services auxquels on peut s'attendre avec l'itinéraire. Belle photo ici. Très très belle photo. Les trains, les services et les horaires reflètent la scène se déroulant dans le nord-ouest vers 1986 et présentent une grande variété de trafic de l'époque. Le nombre total de services jouables disponibles avec toutes les couches incluses à partir d'autres DLC est supérieur à 300. 300 horaires, 300 couches, 300 itinéraires. Avec, euh, trajet, pardon. avec de nouveaux trafics, IA supplémentaires à voir dans le cadre de l'expérience. La classe 87.2, plus de 7 plus de 100 services, pardon. La classe 101 DMU, plus de 50 services. La classe 47.4, plus de 50 services. La classe 08, plus de 25 services. Il convient de noter que les horaires sont bien plus qu'un simple chiffre et que sur un itinéraire aussi complexe que celui-ci, les autres les totaux ne sont pas toujours une représentation précise de l'expérience. Par exemple, il y a plusieurs déplacements de locomotives légères et ils sont divisés en parties. Mais sur cet itinéraire, seule la première de ces parties est sélectionnable dans le menu principal. Le reste se joue en poursuivant la session après le premier service. Cela sera expliqué plus en détail dans les prochains flux d'aperçus. Les services express de la classe 87 parcourent toute la distance entre Preston et Carlisle. Ils vont des trains Lond London euston Carlisle qui arrive de Preston hors carte, au service Cross Country qui part du sud de l'Angleterre hors carte à Carlisle et continue jusqu'en Écosse. Ces services express s'arrêtent presque toujours à Lancaster avec quelques variations dans les services qui s'arrêtent à Oxenholm et Penrith. La classe 87 exploite également des trains en acier et des trains de marchandises. La classe 101, quant à elle, exploite des services d'arrêt aux côtés de la classe 142 passeurs, qui remplace les services des propriétaires de Blackpool Branch. Ces services se concentrent principalement autour de Lancaster et circulent de Carnforth en provenance de Barrow ou Leeds via Skipton à Morecambe. Quelques services de classe 101 existent également de Preston à Carnforth, d'où ils se dirigent hors carte vers Barrow ou Carlisle via la côte de Cumbrian. La classe 47 est présente sur une variété de services de fret et de passagers tout au long de l'itinéraire. La classe 08, quant à elle, est principalement utilisée pour le shuntage de stock de colis à Preston, tandis qu'à Carlisle, elle est utilisée pour le shuntage de stock de wagons aux deux extrémités de la gare de Carlisle. Mais elle est également utilisée pour des trajets de fret en provenance de Kingmore, Yard et se dirigeant vers divers endroits à Carlisle même. Comme mentionné dans notre article à venir, au total 6 heures de manœuvre sont disponibles avec la classe 08, qu'on voit ici. Réparti par type, par type de service, pardon, le nombre de services pour chaque type de train est le suivant. Classe 87, 21 diagrammes interurbains de la côte ouest, 24 diagrammes de cross-country, 12 diagrammes de Dorber, 11 diagrammes de courrier... 11 diagrammes intermodaux, 8 trains en acier et 6 diagrammes Speedlink. La classe 47, 2 passagers, 4 diagrammes de passagers supplémentaires, 4 diagrammes de rail-tour, 3 diagrammes d'acier, 3 diagrammes de courrier, 2 diagrammes de calcaire, 2 diagrammes de ballast, 5 diagrammes d'huile et 3 diagrammes Speedlink. Et la classe 101, 52 diagrammes de current force à Lancaster-Morecambe et 10 diagrammes de Preston-Barrow. Donc ils disent diagramme, mais sert service, hein. 21 services, 24 services, diagramme c'est service, je ne sais pas pourquoi ils ont nommé ça diagramme. Remarque dessinée aux joueurs sur la console de 8ème génération, après avoir examiné les performances, nous avons modifié le calendrier pour offrir une expérience adaptée à ceux qui utilisent Xbox One et PlayStation 4. Donc ils avantagent encore les fameuses consoles de vieille génération. Cela comprendra la mise à disposition d'un calendrier simplifié et de l'absence de trafic routier dans tout l'environnement. Couche de services supplémentaires. De plus, de nombreux services supplémentaires peuvent être débloqués avec des modules complémentaires contenant des trains de la même épo époque pardon, ou d'une époque similaire. Railtour propose également des services supplémentaires. Cela comprend un circuit à vapeur qui peut être effectué sur toutes les longueurs du parcours avec le LMS Jubilee de Spirit of Steam ou le Flying Scotsman. D'autres circuits ferroviaires proposent les classes 20, classe 31 de leurs locomotives complémentaires respectives et la classe 40 du BR Heavy Freight Pack. Pour le fret, il y aura des classes 37 de l'itinéraire complémentaire de la Tess Valley Line qui figureront sur le train de ciment de Clis Clis Zero, Utilisant les wagons de ciment PCA de la classe 31, ainsi qu'une multitude de services de liaison rapide et d'autres services de fret utilisant HEA, PCA, Silco, PGA, TEA, Goodvans et Mineral wagons, vous offrant une réelle variation en termes de fret. Le fonctionnement du voyage à carlis nécessite une multitude de couches à débrouiller, car chaque service se déplace autour des différents wagons d'un endroit à un autre. La liste, complément... la liste complète des modules Complémentaires des DLC qui débloquent des services jouables et d'IA supplémentaires est la suivante. Pour ceux qui ont la succursale Blackpool, ils auront les wagons DMU et TEA de la classe 142. Pour ceux qui ont West Cornwall Local, ils auront les wagons SICO et Turbo. Pour ceux qui ont la Test Valley Line, ils auront les wagons HEA. Pour ceux qui ont la North Transpennine, Ils auront la locomotive diesel classe 45 pour Spirit of Steam. La locomotive à vapeur LMS Jubilee, les voitures Mk1, le wagon minéral de 16 tonnes et le fourgon de frein de 20 tonnes. Pour ceux qui auront le pack fret lourd BR, ils auront la locomotive diesel de classe 40. Pour ceux qui ont le complément de locomotive BR classe 31, ils auront les wagons de classe 31 et PCA. Pour ceux qui ont le module complémentaire pour les locomotive BR classe 20, ils auront les wagons de classe 20 et PGA. Et après, il y aura également la LNER classe A3 60 Flying Scotsman. Les services d'intelligence artificielle remarquables. À Preston, vous verrez des services en provenance des lieux hors carte, comme Colne et Homskirk, arrivés dans l'extrémité sud, ainsi que des services à destination et en provenance de Blackpool. Cela signifie qu'il y a une ruche d'activité dans la journée. La classe 87 échange également les services à destination de Blackpool, ce qui signifie que vous pouvez voir l'IA effectuer un certain nombre de changements de locomotives tout au long de la journée. À Carlisle, vous verrez les services AI arriver à l'extrémité nord depuis des emplacements hors tels que Glasgow et à l'extrémité sud depuis la ligne Seattle et Carlisle. La vallée de la Tynne et la côte de Cumbrian, ce qui signifie que les DMU sont régulièrement vus et arrivés Vu arriver et partir, pardon. A Oxenholm, vous verrez le service Windermere exploiter la branche hors de la carte. Ils en ont parlé dans leur live, vous pouvez aller le voir si vous souhaitez, de cette fameuse ligne Preston Carlisle. Ils nous disent pas besoin de s'extasier dans le top jet. Ce DLC saura vous offrir un rythme parfait, en particulier pour ceux qui sont l'esprit suspicieux, suspicieux, pardon, car c'est une sorte de magie. NAFTER de l'aéroport de Manchester par Alan Thompson Simulation. Dans notre feuille de route, nous avons présenté Alan Thompson Simulation à la communauté avec l'annonce du premier itinéraire Manchester Airport Commuter. Vous pourrez explorer une Manchester Piccadilly améliorée, plusieurs dépôts modélisés le long de l'itinéraire et deux branches de trafic de banlieue très fréquentées dans lesquelles vous pourrez vous plonger. Tout ce que nous partageons pour l'instant car nous reviendrons dans nos révélations de décembre avec de nouvelles captures d'écran et d'informations sur l'itinéraire et nous sommes impatients de vous montrer la progression du premier DLC de Tracy World. Mise à jour de la branche Leven Mousse de la Five Circle Line, arrivée avant la fin de l'année, en provenance de nos partenaires de Rivet Games. Nous retournons dans la capitale écossaise avec plus de détails sur la, li... plus de détails, pardon, sur la sortie prochaine des lignes Five Circle et Levenmousse dans Train Sim 5. Si vous découvrez seulement maintenant l'itinéraire de la Five Circle Line, assurez-vous de vous rendre sur l'article 5 Circle Line qui va être publié sur leur site. Et de découvrir la boucle de 52 miles autour de l'Écosse, commençant à la gare d'Edimbourg, Waverley, et se divisant sur une ligne main et loop à Inverkesning en suivant la vue emblématique du pont Force, depuis la fenêtre de Scott Rail Class 170 TurboStar. Cette nouvelle mise à jour, disponible gratuitement pour les propriétaires du DLC Five Circle Line d'entre 25, comprendra. Une prolongation de 5,5 miles de la nouvelle liaison. Plus de 40 nouveaux services horaires sur la nouvelle branche. Deux nouvelles stations à découvrir et à explorer. 16 objets de collection supplémentaires à trouver en parcourant en l'extension. Mode conducteur entièrement jouable dans les services horaires. Veuillez noter que la livrée Scott Rail Classe 158 Rail Link de Skyhook Games ne, pas, ne sortira pardon, pas en même temps que cette mise à jour et sortira à une date ultérieure. De plus, le nombre d'itinéraires du module complémentaire de la ligne 5 Circle sera modifié pour refléter l'inclusion de cette nouvelle branche après la sortie de cette mise à jour. La branche de Leven est une réouverture d'une ancienne ligne de chemin de fer partant de euh, Thornton pardon, North Junction près de Glenrose vers l'est jusqu'à la ville balnéaire de Leven dans le Five. Elle passe par la première ligne. Alors, première nouvelle gare de Cameron Bridge, puis se dirige vers le littoral pour se terminer à la gare de Leven. Ici, on peut voir le terminus gare de Leven. On voit bien que c'est terminus. Vous pourrez même rencontrer le célèbre chien Scott Ray Loki de Leven ici, présenté dans de nouvelles publicités et publications sociales du monde réel. Nos équipes nous rejoindront vers la fin de mois pour un aperçu. L'équipe Alan Thompson Simulation les rejoindra fin du mois pour un aperçu de la nouvelle mise à jour de cette Five Circle Line. Pardon, pas Alan Thompson, mais... Euh... Qui refont ça, c'est... Euh... Rivet Games. Donc Rivet Games. Présentation incrédible. Un tiers, mais un solo tiers, donc en fait c'est quelqu'un qui fait ça en solo. Nous aimons toujours faire appel à de nouveaux développeurs tiers pour nous aider à créer la meilleure version possible de Tracing World. Et aujourd'hui, nous avons un tout nouveau développeur solo passionnant qui rejoint le programme Johannes Hartmann Incredible Trains. Présentons-le et écoutons quelques réflexions sur leur premier projet. Pouvez-vous nous en dire plus sur vous et votre parcours dans le développement il nous dit donc bonjour. Je m'appelle Johannes et je suis le fondateur d'Incredible Trains, le dernier ajout à la communauté de développeurs tiers de Tracing World. À l'heure actuelle, je suis le seul développeur de ce tout nouveau studio et je suis ravi d'annoncer que tout mon tout premier module complémentaire pour les itinéraires du Royaume-Uni rejoindront bientôt Tracing World. Avec une formation en informatique, j'ai commencé à développer des jeux en modant pour Transport Fever en créant des modes de matériel roulant et d'éléments pour le Royaume-Uni. Ma plus grande fierté en tant que modeur a probablement été le mode horaire de Transport Favor 2, qui a considérablement élargi les options de jeu pour la communauté. J'ai également une certaine expérience en modélisation 3D, donc lorsque j'ai commencé à expérimenter avec l'éditeur PC Tracing World, il est rapidement devenu évident qu'Unreal Engine serait une plateforme fantastique pour acquérir de nouvelles complémentaires. Compétences, pardon, tout en construisant quelque chose de, que j'aime. Ce qui a commencé comme un projet parallèle pendant mon doctorat est devenu mon premier studio de jeu et je me prépare maintenant à sortir mon premier DLC pour la route du Royaume-Uni. Le fantastique programme de développement tiers de Dubdale ainsi que le soutien de leurs développeurs m'ont permis de concrétiser cette vision. Je suis très heureux de partager davantage sur le parcours dans les semaines à venir jusqu'à la sortie. On, leur, on lui pose la question qu'est-ce qui vous a poussé à développer le contenu pour tracer World et quelle est la nature du projet sur lequel vous travaillez il dit que j'ai toujours qu'il a toujours été passionné de train. bien que je ne sois pas d'origine du royaume originaire du royaume-uni je suis depuis longtemps fasciné par son système ferroviaire habitant maintenant ici je passe beaucoup de temps sur les lignes locales et cette prochaine édition présentera en fait l'un des meilleurs trajets réguliers un de mes trajets réguliers pardon j'ai également une passion pour la création du monde virtuel. Au fil des ans, j'ai recréé des lieux réels dans plusieurs jeux, mais je me suis souvent senti limité par les contraintes de chaque jeu, en particulier lorsqu'il s'agissait de reproduire les réalismes ferroviaires. Unreal Engine m'offre la liberté créative que je recherche, tandis que Train World offre le réalisme que je souhaite pour donner vie à mes visions. L'origine de ce projet était signée à être une petite d d un petit exercice d'apprentissage, d'un réel et de développement de jeu. Cependant, j'étais ambitieux dès le départ en choisissant une région importante du Royaume-Uni pour mon premier itinéraire. J'ai rapidement compris à quel point la création d'itinéraires est une entreprise de grande envergure et je finalement concentré mon attention sur une ligne que j'ai hâte de partager bientôt. Quelle partie du processus de logement appréciez-vous vraiment Développer un itinéraire pour tracer monter un grand Incroyablement multiforme et je suis venu à apprécier chaque partie de celui-ci. La pose des voies, l'ajout des détails sur les voies et la mise en place du système de signalisation ont été particulièrement enrichissantes. J'ai adoré découvrir les subtilités des opérations ferroviaires britanniques et les traduire dans la fonctionnalité de l'itinéraire. Ensuite, il y a bien sûr le décor. Recréer des lieux réels aussi précisément que possible représente une grande partie de mon travail. Modéliser et texturer les bâtiments locaux, puis voir le tout s'assembler est incroyablement, incroyablement gratifiant. La conception du gameplay a également été un point fort pour moi. La création d'un horaire a été un processus détaillé, impliquant l'étude des mouvements réels des trains et la garantie d'interactions fluides entre les différents services. J'ai également aimé concevoir des scénarios avec des petits éléments d'histoire pour aider les joueurs à se sentir pleinement immergés dans l'itinéraire. Enfin, il y a le matériel roulant lui-même. Cet itinéraire comportera un train auquel j'ai consacré beaucoup de temps. L'intégrer au jeu est... a été un défi, mais extrêmement gratifiant. Conduire ma reconstitution virtuelle de cet itinéraire a été particulièrement nostalgique pour moi, car j'habite désormais plus loin de celui-ci qu'avant. C'est un sentiment particulier de revivre ces voyages dans le jeu, sachant que chaque détail a été conçu à partir de mes propres souvenirs et expériences. On remercie Johannes. Il sera de retour dans quelques semaines avec un événement de la saison des révélations de décembre pour lever le rideau sur ce premier nouveau itinéraire d'incredible trains. Mise à jour la West Coast Main Line, des améliorations majeures à venir début décembre. Depuis le lancement de Train 5, nous avons écouté attentivement vos commentaires sur l'itinéraire de la West Coast Main 9 et nous nous sommes engagés à vous proposer à tous une série d'améliorations qui contribueront à offrir la meilleure expérience possible pour la ligne. Depuis lors, nous avons livré plusieurs modifications avec des correctifs et des modifications mineures au cours d'une série de mises à jour post-version. Et aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer que nos équipes sont prêtes à fournir les améliorations d'itinéraire à grande échelle sur lesquelles nous avons travaillé dur avec le soutien et la collaboration des membres clés de la communauté. Cette refonte comprendra 800 nouveaux services horaires avec des, services ferroviaires supplémentaires, avec des circuits pardon, ferroviaires supplémentaires. Une refonte du gameplay de fret avec des nouveaux calques, une série d'améliorations du décor de grande envergure, notamment des ajustements de l'éclairage nocturne, des mises à jour de la texture du terrain et de l'eau. 710 marqueurs d'arrêt et des correctifs et ajustements sur l'ensemble de l'itinéraire. Parallèlement à cela, nous ajouterons la physique des suspensions dans la classe 350. Et nous vous remercions de votre patience pendant que nous implémentons ça. Voici ci-dessous pour une description complète de ce à quoi on peut s'attendre ici. Amélioration du gameplay. Ajoute d'une nouvelle physique des suspensions à la classe 350. Plus de 800 nouveaux horaires services. Ajouté. La totale des services est désormais de plus de 2000, donc 800 en plus, il y en a 2000, Donc plus de 990 jouables. Fret entièrement retravaillé avec plusieurs couches de chargement, manœuvre, vitesse, cheminement correct. Nouvelle couche de fret, nouveau pack de jeu Tracé World 5, wagon HOA, GNA, MFA et TEA. Service London Overground et London Underground, entraînement entièrement pardon, retravaillé. Un petit crédit à Fabux pour les couches et supports supplémentaires, tests et recherche par Vion. Service complément complet, pardon, de Marston Val, y compris les mouvements ECS jouables. 87 circuits ferroviaires Fryder Charter, circuits ferroviaires The Chesh. Le Cheshire Man, du Frank Scotsman, classe 390, chronométré à 125 miles par heure, revêtement Brent et autres éléments statiques de la cour, dormeur statique, corriger les numéros de service incorrects et manquants, destination du portail lié. Des, amélior am des améliorations du paysage également. On peut voir une belle photo ici. Et pour nous tenir informés de nos progr des progrès, nous sommes maintenant dans les dernières étapes du développement après avoir travaillé avec les équipes bêta pour leurs leur commentaires et nous allons bientôt passer au test d'assurance qualité pour les attribuer aux builds prêts pour la sortie de cette même période le mois prochain. Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien de la communauté dont nos équipes ont bénéficié lors du développement avec des améliorations et tenons à vous remercier tous d'avoir partagé vos commentaires et d'avoir attendu patiemment une mise à jour sur les différents progrès. Nous espérons que ce chargement donnera à la route West Coast Mainline l'expérience complète que beaucoup d'entre vous souhaitent depuis notre première annonce. On va en parler vite fait de cette performance, plantage et texture. Dans cette section, nous souhaitons partager avec vous une mise à jour honnête sur notre situation en ce qui concerne les performances globales. Les rapports de portage de Tracément 5 est un lien avec ceux-ci. Nous avons également discuté des textures qui apparaissent pardon, à une résolution inférieure à celle attendue pour les plateformes de console. Tous ces problèmes sont liés au dépassement des budgets de mémoire disponibles et les équipes ont étudié des, mouvements, des moyens d'économiser de la mémoire et de contribuer à réduire l'impact et la fréquence de ces problèmes. Ils ont pu identifier des petites améliorations et optimisations que nous peuvent apporter, dont certaines ont été intégrées dans les correctifs publiés à présent. Et l'équipe examine en permanence les données des performances sur l'ensemble du contenu principal en examinant les FPS dans les stations clés sur les itinéraires et en suivant le volume global de crash pour chaque plateforme. Mais des problèmes restent un objectif clair pour les équipes. Pardon, ces problèmes restent un objectif clair pour nos équipes. Le travail est en cours de de profilage. Pardon continue et le profilage continue. Excusez-moi, mais pour rester transparent avec tout le monde au sein de la communauté, ce n'est malheureusement pas quelque chose que les équipes seront en mesure de fournir avant les vacances de cet hiver, avant les vacances de Noël. Ils disent qu'ils poursuivront au cours de la nouvelle année leur plan visant à proposer des optimisations dans le but de réduire davantage le volume de crash qui constate dans Tracing World 5 et de permettre les meilleures performances possibles. Il y a également les optimisations de packaging des différents DLC. Et puis on parle du coin communautaire du jeu Tracing World Tycoon, euh, pardon, pas World Tycoon, qui est disponible maintenant sur Roblox. Il y a quelques semaines, le jeu est sorti sur plateforme Roblox. Elle a passé. Et depuis, reçu plus de 5000 évaluations positives et un nombre impressionnant d'un million de visites. Nous sommes ravis de voir un accueil aussi positif pour ce nouveau titre et nous avons hâte de continuer à le développer avec nos amis de l'équipe Tailwind. Voilà. Et on en a fini avec cette roadmap du mois de novembre. J'espère que cette roadmap nous vous a plu. N'hésitez pas à mettre des j'aime, à mettre des commentaires si vous avez d'éventuelles questions. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. À très vite pour de nouvelles vidéos sur Tracy World. Portez-vous bien. Vive les jeux vidéo et ciao tout le monde.